First of all, very good morning again. Today is the last day of the retreat. It's very much the teaching of impermanence. Though I don't know how many of us, but many of us, extend the retreat. We want to stay here a little longer. And we want to experience much a little bit longer than that, but we have no choice. The time just pushes all of us towards to the end, and we have no choice. That actually means that we have no freedom. That's what Buddha Shakyamuni always said. That's actually we all the beings have no freedom. We have no freedom. So therefore, we, as a practitioner, we have to get a freedom. We have to be independent. So in order to get a freedom or independent, we have to build up a strength by ourselves. We have to be strong enough to be standing by ourselves. And so, the Buddhist religion, or if you like, you can even say Buddhist philosophy, is nothing but to make all of us independent, liberate all of us from the impermanent realm, and make ourselves independent. So this is what we have to understand. So this the last day today. Last day of the retreat tells all of us a lot, that the time flies. By 6 o'clock tonight, we'll be gone. We will be gone, like many of us are gone already gone, I think. Many of them are gone back to Germany, gone back to Italy, gone back to Spain, and many places. And by 6 o'clock this afternoon, more people will be gone. And by tomorrow morning at about maybe 7 o'clock, 8 o'clock, there will be, none of us will stay here. I mean, beside the residence. So this actually tells you a lot. That is the teaching. It tells you a teaching, gives you a teaching of the universal teaching. Not just Lord Buddha's teaching or Krishna's teaching or the Muhammad teaching. We're not talking about the specific teachings of specific masters, but we are talking about the universal teaching that we cannot avoid. It is the teaching, and it is really the part of the quality of the life. Encore une fois, bonjour à tous. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette retraite. Donc ça nous révèle encore une fois cet enseignement du changement, de l'impermanence. Bon, je ne sais pas pour combien d'entre vous, peut-être, mais peut-être nombreux parmi nous, nous souhaiterions que cette retraite puisse continuer encore quelques jours de plus, mais bon, nous n'avons pas de choix en la matière, et le temps s'écoule. Et donc le temps qui s'écoule nous montre en même temps que nous ne sommes pas libres, en fait. Et bon, c'est aussi ce que dit l'enseignement du Bouddha Sakyamuni. Il dit tous les êtres sensibles sont dépourvus de liberté. Et donc il nous faut comprendre en tant que pratiquants que nous avons besoin d'accéder à une réelle liberté, à devenir indépendant. Et donc, pour cela, nous devons développer, nous devons nous constituer de la sorte que nous avons une force intérieure qui soit là et que l'on tienne par nous-mêmes sur nos pieds. Et donc, c'est ce que dit la philosophie bouddhique. Elle ne dit rien d'autre que cela. Elle dit qu'il nous faut accéder à un état de liberté et nous libérer de ce pouvoir de l'impermanence. Et donc, il nous faut devenir indépendant.
Donc ce dernier jour de la retraite, en même temps du fait que c'est le dernier jour, c'est un enseignement d'une grande valeur qui nous montre que ce soir à 18h, beaucoup d'entre nous seront partis, la retraite sera finie. Bon, il y en a déjà qui sont partis ou qui vont partir avant, mais ce soir à 18h, quand ce sera terminé, beaucoup partiront pour retourner soit vers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou ailleurs. Et donc, il y en a déjà qui seront partis bien avant, d'autres davantage partiront ce soir, dès 18h, et puis demain matin, à 7h, 8h du matin, en dehors des résidents, il ne restera plus grand monde ici, et tout le monde s'en ira, se retournera chez lui. Quelque part, ça nous donne, ça dit quand même un enseignement, on va dire un enseignement universel, hein, pas besoin que ce soit un enseignement bouddhiste ou quelque chose qui est énoncé par le Bouddha, etc. Mais c'est l'enseignement qui nous montre quelle est la qualité inhérente de la vie. So this is the being impermanent, and impermanence is the really the core of teaching of Lord Buddha. Maybe the other religion also says the same thing, similar thing. But this one, Lord Buddha includes this whole universe into an impermanent. He says that there is no existence in this world which is not included in the core of impermanence. So this is what makes the Buddhist something unique. Whereas in other religion, they may say that there is an exception in the existence. Some of them are not included in impermanence. But Buddhist says that everything is impermanent. There is no, nothing exists in this world which is not impermanent. Donc cette impermanence, ce mouvement perpétuel. Donc c'est vraiment le cœur de l'enseignement du Seigneur, du Bouddha. Les autres religions, bien sûr, disent aussi la même chose, parlent aussi de l'impermanence, du temps qui s'écoule, mais le Bouddha inclut dans cet enseignement sur l'impermanence toute chose de l'univers. Et il dit que tout n'existe rien dans cet univers qui échappe à la loi de l'impermanence. À partir du moment où quelque chose existe, eh bien, cette chose sera frappée est touchée par l'impermanence. Il y a un aspect unique de l'enseignement du Bouddha en ce sens. D'ailleurs, les autres religions, elles disent que tout est impermanent, mais il y a des exceptions. Il y a certains points qui ne sont pas où il est question peut-être d'éternité, et donc choses qui ne sont pas soumises à l'impermanence. Mais dans le contexte de l'enseignement du Bouddha, il n'y a rien de tel, rien n'échappe à l'impermanence. And so I mean it's a mixture feeling anyway, to my personal sort of level of understanding. It's of course, obviously, generally it is form of a suffering. That is the reason why the Buddha Shakyamuni said in the first teaching in his life in Varanasi he gave, it's the samsara is suffering, nothing but suffering. So that is his teaching. In first teaching, his first word that he was really using in his teaching, and which is very much true. And he says that, you know, he says the world is samsara, samsara is suffering. And based on the impermanent, he said that. And people think that is, yes, people think it is true. But
Many people they think it is a suffering of a, like a, you know, like a pain suffering, like a necessarily like a suffering similar to a toothache, headache, a backache, and that sort of things. You know, the family death of family members makes you suffer, and all these things, tension, stress, and all these things. Yes, all of them are included, of course, because it's everything is included universally. Everything is included in impermanence and suffering. So why not the toothache is included? Of course it is included. But speaking about that, you need to be a little sort of a broader way of looking at it. You know, you need to have that sort of broader kind of a frame to look at into it. Impermanence sometimes can be, you know, can be an exciting also, excitement also, you know, because this exciting, you know, exciting through the expectation or something like that. Sometimes it can be exciting. There's no doubt about it. Exciting, happiness, exciting, and sort of like that. Obviously, all of them are, again, at the end, it's just included in suffering. That's for sure. But what I'm trying to say is that, you know, I myself, personally speaking, I have a mixture feeling when I think about impermanence. It's a feeling of a sadness, but at the same time, it makes me feel a little exciting also, little exciting. So you know, both the experiences are there. Both the feelings are there, almost the simultaneously. So I don't know what to call it, but it's a kind of a funny kind of a feeling that I can't really express it. Maybe that is some kind of a feeling that you will never be able to express nicely, you know. But this is maybe, you know, one of those inexpressible experience. I think I have that sort of very difficult. You know, I have difficulties to express. What is really the feeling I have? It's a mixture feeling. So, for example, you know, like, I mean, the fact that the time flies fast, very fast, very, very quickly, it really is a kind of scary, especially if you are only believer of this life, not in this next life, then it's very, very scary, because this life is going to be finishing soon. You know, the month goes like hours, you know, day goes like a second, and you know, the year, you know, goes like a days. So it's like a so fast, it's just unbelievable. For example, six ornament of Naropa, I think many of you have joined already in Ladakh 12 years ago, and now it's coming next year. It's just next door to us. It's just next door to us. Tomorrow, next door to us. It's like next year. It's not even 1 year from today. It's just unbelievable. 12 full years left, already gone. But we think like, it's just, I mean, to me, maybe I'm being a little crazy, I think. I feel that the six ornament of Naropa ceremony just finished yesterday. And today, now, here we are talking about the next Naropa ornament ceremony already. Time flies like that. It means 12 full years left, gone. So it's a scary, you know. I mean, it's a very scary, but it's an exciting also that, you know, the time, the many things are expected. So tomorrow is an excitement anyway. Tomorrow is the excitement for today, you know, and tomorrow is the expectation for today, and tomorrow is the goal for today, and when tomorrow comes, tomorrow is nothing there. Tomorrow is no longer there. It's today. It's still today. Where is tomorrow? It just disappears. It's like a rainbow. You run after the rainbow. You will not reaching the rainbow. When you go to very close to rainbow, where is the rainbow? It's not there.
Rainbow goes away, and it disappears. So similarly, that tomorrow is really the kind of a goal and the pillar of the life. So that is exciting anyway, isn't it? Tomorrow. We live for tomorrow. Not for today. Today is finished. Today already finished. So tomorrow is the one that we are living for. And tomorrow morning when we are awake and tomorrow is there, tomorrow is no longer there. It's today. So that is the thing. That's a kind of a, I don't know. I mean, that is my feeling anyway. I'm just sharing my stupidity. And my stupid side of attitude, and also crazy attitude, you know. I admit myself as a crazy person. I always feel that, and I always sort of laugh at these things, you know, by myself. I don't have to have anybody around. I just laugh, you know. It just feels funny, feels crazy, feels funny, feels joyful, feels everything, mixture. Very sad also at the same time, because it's just time flies. There's not much of choice for us to sort of hold the time. But sometimes I don't think that we need to hold also, even if we have a choice. We don't need to hold. The time flies and gives more excitement, more of tomorrow. Tomorrow, next year, next. Donc, quand en pensant à l'impermanence ainsi, ça me donne un sentiment assez partagé en fait, dans ma façon de voir ou de comprendre. Hein, mais d'une manière générale, l'impermanence révèle une certaine forme de souffrance. Hein, donc c'est pourquoi c'est présent dès le premier enseignement, dès le premier cycle d'enseignement du Bouddha Sakyamuni à Bénarès en Inde. Son premier enseignement parle de la souffrance, que tout est souffrance, et ça a été le premier enseignement qu'il a donné. En même temps, c'est véridique. Hein. D'une manière générale, la nature même de l'existence, la nature de ce cycle de l'existence, du samsara, elle dépend de, elle est en relation avec l'impermanence, et ça traduit en fait la souffrance. Donc, les gens acceptent cette idée-là. Hein, ils disent, oui, c'est l'impermanence, il y a la souffrance, mais quand ils pensent à la souffrance, de manière générale, ce qui nous vient à l'esprit, ben, c'est j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, on a quelqu'un de très proche dans la famille qui vient de décéder, donc là, il y a des souffrances, ou bien on est tendu, on a une vie un peu stressée, ça nous entraîne des situations douloureuses, etc. Donc la référence à la souffrance, c'est généralement ça qui nous vient à l'esprit. Mais bien sûr, ça en fait partie, hein, puisque de toute façon, tout dans l'univers est souffrance. Hein, tout. Donc pourquoi le mal de dents, les douleurs, etc., pourquoi ça ne ferait pas partie de cette souffrance? Bien sûr que ça en fait partie. Mais il nous faut avoir quand même une vision un peu plus vaste, une autre perspective, et de voir que de quoi il est question quand on parle de l'impermanence, et que c'est la souffrance, mais en même temps, il y a un autre aspect difficile peut-être à exprimer, un sentiment de certaines formes d'exubérance ou d'excitation qui peut être là, du fait des attentes que nous avons. Et donc, quelquefois, c'est vraiment la souffrance, mais il y a des situations qui sont en même temps assez... qui nous appellent ou qui sont excitants dans le sens que ben, ça va nous procurer du bonheur ou ça va amener ceci, cela, etc. Mais au bout du compte, faut bien voir que tout participe de la souffrance et qu'il n'y a rien qui soit en dehors de la souffrance. Donc c'est un sentiment assez partagé que j'ai là-dessus quand je réfléchis à la souffrance. Hein. Et bon, il y a une certaine...
certaine lassitude ou une certaine tristesse, mais aussi un autre aspect assez intéressant peut-être ou assez parlant. Donc c'est deux sentiments assez mélangés. Et bon, j'arrive pas vraiment, c'est assez étrange comme sentiment, je peux pas vraiment l'exprimer. Peut-être qu'en fait, je pourrais jamais l'exprimer, c'est peut-être aussi inexprimable, ou peut-être que c'est une expérience qui est inexprimable. C'est difficile à dire quel est ce sentiment que j'éprouve quand je réfléchis à la souffrance. Et bon, on sait tous que le temps s'écoule très rapidement, et peut-être que ça fait peur, cette notion du temps qui s'écoule, mais je suppose surtout pour les gens qui croient qu'il n'existe rien en dehors de la vie présente, il n'y a pas de vie ultérieure, etc. Donc je pense que pour ce genre de personnes, peut-être qu'il y a un caractère quand même assez flagrant, peut-être un peu qui fait peur, qui est alarmant, parce que la mort, elle est là rapidement, elle va arriver rapidement. Vient des moments où on a l'impression qu'un jour c'est une seconde, un mois s'écoule, on a l'impression que c'est un jour, une année s'écoule et c'est juste un jour ou légèrement plus, et on a l'impression que c'est passé très très vite. Prenons, on parlait des six ornements de Naropa, c'était il y a 12 ans au Ladakh, et déjà on est en train d'en parler, c'est l'année prochaine, c'est à la porte quoi, c'est déjà là, et c'est même pas dans un an, à compter d'aujourd'hui, il y a même plus 12 mois, c'est pratiquement là. Et en fait, il y a 12 années, la cérémonie avait lieu au Ladakh. Et donc, quelque part, quand j'y réfléchis, je me dis, bon, ça c'est étonnant. Bon, moi, je suis un petit peu fou aussi, quelque part. Mais bon, quand je pense aux six ornements de Naropa, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, que j'ai juste, la cérémonie avait eu lieu hier, mais bon, ça fait déjà presque 12 ans, quoi. On est déjà en train de parler de la cérémonie de Naropa pour l'année prochaine, donc le temps s'écoule très vite, et 12 années pleines auront passé comme rien, quoi. Bon, d'un certain côté, c'est vertigineux, ça fait peur. En même temps, ça amène une forme de... On s'emballe ou on s'excite pour certaines choses, parce qu'on a des attentes. On se dit, ouais, l'année prochaine, ou bien demain, on attend aujourd'hui. On est surtout préoccupé par ce qui peut arriver demain. On a beaucoup d'attentes. Et en fait... quand demain sera là, ce sera aujourd'hui, ce sera le présent. Donc ce demain, il est vite là, où quand il arrive, c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Donc quelque part, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. C'est un peu comme quand on court après un arc-en-ciel, on voit un arc-en-ciel, c'est magnifique, et puis on veut courir après, ou on veut aller à sa base, et puis en fait ça fuit devant nous, et bon, c'est assez intéressant comme parallèle, quoi. C'est-à-dire on est très tourné vers le futur, ce qui va arriver demain, mais demain n'est jamais là, c'est à ce moment-là, c'est un présent, et aujourd'hui, c'est déjà plus là, on va arriver sur le demain, quoi. Donc quelque part ça peut faire peur. Bon, en même temps, peut-être ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas très sensé, je suis peut-être en train de partager avec vous mes idioties quelque part, peut-être, hein, parce que c'est vrai, je considère assez souvent que je suis assez
un petit peu fou, quoi. Et bon, mais j'en rigole, hein, je rigole de ma folie aussi, mais bon, en général c'est tout seul, hein, il n'y a pas besoin qu'il y ait du monde autour. Et, mais bon, je considère, je suis quand même un petit peu, on va dire, dérangé. Bon, en même temps c'est étonnant, c'est joyeux, mais bon, c'est un petit peu fou aussi, quoi. Et en même temps c'est triste, quoi, parce que c'est cette réflexion sur l'impermanence, quoi, le temps s'écoule, quoi. Et il n'y a rien qu'on puisse retenir, il n'y a rien qu'on puisse s'accrocher. Et puis même si on avait la liberté, même si on en avait le choix, il n'y a rien à quoi on pourrait véritablement s'accrocher, quoi, ou essayer de retenir quelque chose pour ne pas que ça parte, quoi. Donc demain, l'année prochaine, bon, toujours plus tard ou à suivre. So we live on tomorrow, you know, hoping for tomorrow, tomorrow, forever tomorrow. You know, it would be like a forever tomorrow. You know, the tomorrow will never be there, but tomorrow will be like always today. And today is no longer exciting. Today is no longer exciting. Tomorrow is the exciting part. So the life is really goes about the excitement. So we, you know, the tomorrow is the pillar, the column of our life, you know. So that's the thing. Like when we sleep also, the dream is really the exciting part. And when we dream, then the sleep is really good. If we don't dream, the sleep without dream doesn't really have any meaning of the sleep, you know. Sleep is just a blackout. So if we have a dream, then it's good. So dream is dream, you know, the we are dreaming, you know, the day dreaming, night dreaming, you know. The dream is really the drive of our life. So the tomorrow is the dream also, that we are dreaming for tomorrow, the romantic one, you know, the fruitful one, exciting one, you know. And thinking of it is also a kind of an excitement, and it's a hope. So obviously, spiritual or the religious point of view, maybe they say the hope is no good. But actually, hope is the pillar of the life, the column of the life. So let's hope. So that's the thing. So anyway, this is just my rubbish. Anyway, kind of from my just a nonsense thing that just comes out of my nonsense box. Once in a while, it just comes. I can't stop talking about these sort of things, you know, because. It's just an interesting thing for me to think about it. So therefore, I was just guessing and presuming that you all, the people also want to hear my craziness also a little bit, you know. That's the reason why I just wanted to share all these things. It doesn't really ring the bell, maybe, to many people, many of you. But still, I want to share that anyway. That's about it. And so now serious thing comes, the Chakra Sambhava. So today is the Chakra Sambhava, this thing. And I don't want to sort of like take much of your time to sort of with the rituality of Chakra Sambhava. And also I don't want to take much of your time about the explaining about the Chakra Sambhava that much. I don't think not many people will practice, not many of you will practice Chakra Sambhava seriously. Anyway, so I think there shouldn't be that much of, it shouldn't waste your time telling you all the details, since we don't have that much of time. On vit toujours pour le lendemain, pour le futur, pour ce qui est à venir, quoi. Et demain, on est toujours tourné vers demain. Comme on dirait en français, demain on rase gratis. Et demain, c'est une notion de, c'est un peu excitant comme idée, mais bon, demain n'arrive jamais. Demain n'est jamais là. Quand c'est demain, on est dans le présent, mais dans le présent, on n'y est pas non plus parce qu'on pense au demain. Et tout est toujours remis au lendemain. Et c'est comme quelque chose qui fuit, qui n'est pas là.
C'est un peu comme le rêve. Bon, il semble que le rêve, ça peut être un moment parlant ou un moment où il se passe quelque chose. C'est un petit peu, c'est un peu d'excitation peut-être qu'il y a là. Et, parce qu'autrement, ben, on dort, pas de conscience, conscience de rien du tout. Donc c'est de, bon, c'est rien quoi. C'est, mais par contre, peut-être que rêver, c'est peut-être quelque chose. C'est peut-être, si on a, au matin, peut-être on a le sentiment que c'était un bon rêve, donc on a bien dormi, quoi. Mais autrement, bon, pas de rêve, pas de conscience, bon, c'est pas, juste passé comme ça, quoi. Donc, c'est, le rêve, peut-être, a ce caractère intéressant ou appelant, excitant. Et, bon, le rêve de la nuit, mais bon, le rêve de notre vie, le rêve de la journée, c'est la même chose. Hein. Toujours en train de rêver, être romantique. Hein. Et ça, c'est excitant, quoi. Ça nous emballe, peut-être. Quoi. Et peut-être que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux, peut-être qu'on est excité, ou bien on a de l'espoir, hein, d'un point de vue religieux, peut-être spirituel, peut-être. On va dire, bon, l'espoir n'est pas souhaitable. Mais, bon, quand même... ayons de l'espoir que demain ce sera mieux ou que demain il y aura quelque chose. Quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne, même si on nous dit que l'espoir n'est pas tellement souhaitable. Quoi. Bon, ben, de toute façon, ce que je suis en train de dire, là, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est juste des babillages qui sortent de ma boîte un petit peu fêlée là-haut. Et puis c'est tout. Quoi. Donc, bon, je vous dis ce que je ressens comme ça. Puis je me dis, bon, peut-être que ça vous intéresse que je partage ces petits délires avec vous. Mais je me dis, bon, peut-être que vous avez envie d'écouter mes petites folies. Mais peut-être que pour un bon nombre d'entre vous, peut-être que ça n'évoque rien du tout, que ça ne parle pas. Mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous. Bon, passons aux choses sérieuses, donc la pratique de Chakra Sambhara. Maintenant, bon, je ne vais pas prendre de temps non plus pour rentrer dans le détail, notamment tout ce qui concerne le rituel. C'est pas nécessaire que je donne des explications approfondies sur Chakra Sambhara, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont pratiquer Chakra Sambhara de manière sérieuse. Quoi. Donc, ce n'est pas la peine de prendre du temps pour ça non plus. Et de rentrer dans tous ces détails, etc. Puis de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, it, yeah, I've forgotten to tell you that, you know, of course, yeah, right, okay, let's leave it for the future, for the tomorrow. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire, là, mais bon, j'avais oublié, mais bon, on va garder ça pour demain. So the Chakra Sambhava, okay. Chakra Sambhava, I think I should read your text, the French text. Page number, Bhuvan now requested me to announce the page number so that. Je vais utiliser votre texte avec la traduction française et Drupal Ngawang m'a signifié qu'il fallait que j'indique le numéro des pages. The first lineage prayer, page number A. Page A. La ligne, prière à la lignée. One needs to seriously visualize all the lineage, all the lineage keeper. Those lineage keeper, the gurus, they have been so kindly and put a lot of effort to keep the lineage. Means the blessings. From the Vajradhara till now. So those lineage keepers needs to be visualized. If you can't visualize, doesn't matter. You just have to sort of like
Just in front of you, and you are sort of like paying homage, means in the sense you are giving the appreciation needs to be paid. So that's the thing. So then we are kind of expressing our gratitude, expressing their names, and along with that, then we are sort of like supplicating our request. Donc, en ce qui concerne la prière à la lignée, il est nécessaire d'avoir, de bien avoir présent à l'esprit, de manière sérieuse, tous les maîtres de la lignée, donc dont la bienveillance et les efforts fournis ont permis à ce que l'influence spirituelle de la lignée continue de se manifester depuis le Bouddha Vajradhara jusqu'à nos jours. Donc quelque part, ces maîtres de la lignée, ce sont un peu les gardiens de l'influence spirituelle. Donc il est important d'avoir ça présent à l'esprit, la visualisation. Maintenant, si vous n'êtes pas familier, vous ne pouvez pas visualiser tous ces maîtres, à ce moment-là, vous pensez qu'ils sont effectivement là, devant vous. Vous les imaginez présents et vous leur rendez hommage. C'est-à-dire, rendre hommage, ça veut dire vous exprimez votre appréciation pour leur bienveillance et pour leur dévouement pour que l'influence spirituelle soit là. Et puis en même temps, c'est une façon pour vous, dans cette prière, d'exprimer intérieurement votre gratitude. Et en même temps, il y a une requête qui accompagne cette gratitude. Vous suppliez en vue de quelque chose. Amen.
4A. Oh, again.
Together with this, we took refuge. Now the bodhicitta development. Donc ceci constituait la prise de refuge. Maintenant, ce qui concerne le développement de l'esprit d'éveil. Oi chedarai desamango onana chanjoi one needs to visualize Vajradhara, which is the combination or the embodiment of all the Buddhas and Bodhisattvas and universal divinations. And so now, then you can get nectars flowing down from the body and showering you not only just the outside of your body but inside. Not only inside, but the secret, the hidden defilements that you have in your mind needs to be purified with that visualization and the recitation of mantra. No. I'm sorry. I'm going back to the Vajrayogini in my head. Anyway, so this is not the Vajrasattva practice. This is Guru Yoga practice now, coming straight into the Guru Yoga practice, unlike the Vajrayogini. So now this is a Guru Yoga practice that you have to visualize your Guru in the front of you or on top of your crown, and then you offer the supplications and also the seven line prayers. Donc, dans la pratique de Vajrayogini, on avait une pratique de purification, mais ici, on entre directement dans la pratique du Guru Yoga. Donc, vous visualisez le Lama Racine en face de vous, bien au sommet de votre tête, et vous adressez votre prière au travers une prière à sept branches. Rangi pungam geje tanje lausa Chivar sengi tekpe rimbo jeche Padma tam dava tam nima tam dargi lube Denla lama tisum sangye tamje dhuk
Itasum kundi Jesus ojuba. Say it in French. Tous les agrégats, les domaines, conscience et leurs champs d'extension qui nous constituent sont visualisés en tant que déités au sommet de notre tête sur un trône précieux porté par des lions avec un lotus, une lune, un soleil sur un siège orné de soieries. Le gourou demeure union de tous les bouddhas des trois temps, personnification des trois racines. Sanje tam jen du be puan dur jen zin be mo vo ni kun jo sum je za wa de pa de la ma cha ze lo da ge le da long je da je da ga da nyam be do ma le go ge je ge ge ba ze bu Français. Union de tous les Bouddhas, essence même du détenteur Vajra, racine des trois joyaux, hommage au glorieux Guru. Mon corps et toutes mes possessions, tous les êtres aussi nombreux que vaste est l'espace, je les mets à votre service, Seigneur. Je vous prie de me protéger et de m'accepter avec compassion. Dharmakaya qui embrasse toute chose, au-delà de toute expression, espace de la mer, Sambhogakaya libre de toute souillure, vaste jouissance de félicité, Nirmanakaya glorieux protecteur de la multitude des êtres, le corps exprimant le respect, la parole douce et l'esprit sincère, je vous adresse ma prière. Je vous en prie, accordez-moi des expériences stables et ininterrompues, ainsi que la réalisation suprême. Ayant prié ainsi, ils fondent en lumière et se dissolvent en nous. Om Sambhava Shuddho Sava Dharma Sambhava Shuddho Dadang Vibhu Chu Thamche Rangshin Ki Tongpa Nidhu Chur Tongpe Dhirab Ki Tengdo Nazo Pema Dang Nimi Kilgur Ji Rangi Ke Che Ki Chumden De Pe Kholo Tongpa Lengji Ji Kondo Mumbo Shanshi Changi Shariye Tengwe Tunzen Ma Manmi Ngarnan Bahi Chuse Kube Chikshi Mumbe Chavarnam Chaye Dorje Dang Yun Ji Wu Zin Be Yum La Ki Bo Chaya Chungse Zek Jin Chen Sung Dang Bin Ba Nur Bu Dang Na Tsu Dorje Dang Dawa Che Be Chen Be Rai Be Dur Zi Chan Min Go Gang Bo Ma Yi Hu Gya Dang Lung Ba Ma Ju Du Shi Ji Bo Ru Be Cha Gya Tu Gi Gen Ba Ta Gi Bo Be Shen Do Jin Gar Gi Yam Gu Dang Ben Ba O De Pang La Yum Dorje Kudong
rubi chagya ma genji khatam gadan debe zan be sha yun be yabla ki ba ye do je da je be din zu ding gi nam ga la ja ja be ba yabla ki ji ye ya da na ji de ga wa ni ga yi she ge me bar we u na ju bara chur be ju ma ma mi ge be zu ja ge wa ge je tu ga ni mi ge bur gi de do hu Sambar chur tuge hule uchodo amalu be tunche surdu hula tim hula magi chewa korwar gir A partir de la page 8, ligne 2. Om soba wa shuda samadama soba wa shuda. Moi-même et tous les objets composés deviennent vacuité. De la vacuité apparaît la montagne suprême au-dessus de laquelle, sur un lotus multicolore et un siège par le disque du soleil, nous apparaissons instantanément en tant que le victorieux, détenteur et transcendant, glorieux chakra sambhara, spontané, bleu, à un visage et deux bras. La jambe droite tendue en appui sur le cœur de Kalaratri, rouge. La gauche légèrement fléchie en appui sur le front de Bhairava, bleu. Tenant de la main droite un vajra et de la gauche une cloche, il enlace sa parelle. Montant un peu les dents, trois yeux, un joyau, un double vajra et une demi-lune marquant son chignon. Avec une couronne de 5 têtes humaines séchées et un collier de 50 têtes fraîches. Orné des 6 moudras d'os, il porte une jupe de peau de tigre et possède les 9 expressions de danse. Dans le giron se trouve l'appareil Vajra Yogini, rouge, un visage, deux bras, trois yeux, nu, les cheveux tombant librement. Avec une couronne de 5 crânes séchés, et un collier de 50 têtes desséchées, orné des 5 moudras d'eau, de la main gauche tenant un crâne et maintenant un kanaranka, elle étreint son partenaire, de la droite brandissant un vajra vers le ciel dans le moudra de la menace. De la jambe droite, elle enlace son partenaire et étend la gauche de concert avec lui. Tous deux se tiennent au-dessus du feu brûlant de la sagesse et sont couronnés par la forme du gourou Akshobhya. Au cœur, sur un disque de soleil, se trouve la lettre Om bleue à partir de laquelle irradie de la lumière, accomplissant le bien de tous les êtres et revenant ensuite se dissoudre dans le Om. La guirlande du mantra tourne autour du Om. Om Shri Ha Ha Om Om Shri Ha Ha Om Om Shri Ha Ha Om Shiao, 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 Shiao
Yeah.
For example, argam, padam, argam. When you do this, you should be doing it very correctly. And it has to be done very correctly so that it, Vyana, the mudra is the one of the nail that needs to be screwed in terms of practices.
And it's not something that kind of that we can ignore. That is a equally important, you know, equally important as a concentration or even the visualization. Visualization is very important, but at the same time, the mudras are very important. It's not a joking matter, or is not a side issue. Donc, quand nous faisons ces pratiques, tout ce qui concerne cette partie des offrandes, nous devons en même temps voir le sens bien précis dans la visualisation et accomplir les offrandes l'une après l'autre avec une visualisation qui soit précise, en effectuant en même temps la gestuelle qui les accompagne. Et les mudras, donc les gestes, doivent être accomplis de manière correcte. Par exemple, qu'il s'agisse de Argam, Pandé, les premières offrandes, le mudra, c'est vraiment comme un clou, c'est vraiment un point clé qu'il est important de visser dans notre pratique. On ne peut pas ignorer cet aspect, on ne peut pas les laisser de côté. C'est équivalent, les mudras sont équivalents à la concentration de l'esprit en un point sur la visualisation. La visualisation est importante, mais les mudras également sont importants. For example, argam for an offering, the drinking water. You know, padam has to be like this, and this is for washing feet for your divine beings. And obviously, there are little bit different mudras according to some other traditions. Some other traditions we do like this. This means washing the feet like this. You do, instead of doing like this, you have to sort of do like this. And means this is a feet and it has to be washed like this. And this means the feet, and then you wash like this. This is the in some tradition, like we do it a little bit different, and this tradition does this way. This is the feet, and this is a kind of a the basin, and the basin with the water, the feet comes in and the soak. So it's like the washing feet, and the pre-pay. Of course, I don't want to take much of your time anyway, but this is just came in my mind, I have to say. But anyway, one day, definitely Master has to come and teach you one after the other detail. So I shouldn't be taking much of your time, but it's just, maybe I'm being a little bit nosy, sort of like squeezing myself in that. This is not my business maybe, but just came in my mind. So, you know, the second, and then the third one is like a pupe. The pushpe actually means, in Sanskrit, it's a flower. So the flower, again, some masters, they do like this. It means like the flower coming, sort of blooming, you know, the blooming, the flowers, lotus. But some masters, they do. But we are in this tradition, in this context, with this text, we do like this. That's it. That's all we do. Pushpe. And then when dupe comes, the dup means the incense, dup, and this is the dup. And again, some other masters, some other text, it goes like this, because the incense is the thumb is the incense, and then the incense is in the incense box. So the incense burns, the smoke comes out. So that is like this actually. But actually, in this context, with this tradition, we do like this. This means the incense comes out and burns. So this is what we do this way. It's the dup. And then alok is actually the light, the candle lights, and then the electric light, the lights. So this comes like this. Again, some other tradition, they do like this, and we do like this. So context in this text, we do like this. So this means it's the lamp, that's it. And this means also a lamp, that lamp oil goes here, and then lamp comes up. So this is that way. But we do like this, the oil goes there, same thing, but we little slightly different. Gandhi is applying the perfume.
applying the perfume, perfume to the Guru, perfume to the Buddha, Dharma and Sangha, all the divine, the perfume. Those old days, we don't have a, you know, so we have to massage it, you know. So the those old traditions are still there. We're just massaging it. Okay. Nowadays, we can come up with this way. Mudra has to change. We do like that. So that's the way. And then the last one is Niyute. Niyute is the offering dishes, and we do that way. It's just commonly we do this, just holding the dishes. But some masters, they do this way because the dishes comes in the food comes on the dishes, the plates. So this is kind of representing the plate, food, and then the plate comes that way. But we do it this way, just a simple holding the dishes. And then the music, of course, that represents the drum and all the musics, you know, just to do like. Also, some other masters, they do like this, they do like this, you know, there are lots of different things. But we do just only this way, that's all. Just shows this way. So that's the thing. So, you know, that is the... what we call five outer offerings. Pour ce qui concerne ces offrandes, donc il est important de faire les mudras de manière correcte. Et par exemple, la première offrande, Agam, c'est l'offrande d'eau. Donc le si vous aviez regardé comment procédait sa sainteté, donc les mains se joignent et font comme un réceptacle qui tient de l'eau pour boire, pour rafraîchir. Le deuxième mudra, ou le mantra qui va avec, Pandé, c'est de l'eau pour laver. Donc traditionnellement c'est pour laver les pieds, donc nous faisons le mudra d'une certaine façon, si vous avez pu regarder. Donc dans certaines traditions c'est différent, il y a d'autres maîtres où la main gauche symbolise un peu le pied et la main droite passe légèrement au-dessus, la main droite symbolisant la cuvette ou la bassine dans laquelle se trouve l'eau pour laver les pieds. Dans notre tradition, par contre, c'est fait différemment, c'est-à-dire que les pieds sont symbolisés par la main gauche et c'est la main droite qui vient, comme si c'était l'eau qui vient pour laver les pieds. Ensuite, je ne veux pas prendre trop de temps pour entrer dans tout ce détail. Bon, un jour ou l'autre, il faudrait que vous appreniez ça. Bon, il y a un maître qui devrait peut-être venir ou vous l'enseigner en manière détaillée. Ce n'est pas vraiment mon boulot, à vrai dire, mais c'est comme quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant de vous en parler quand même, et ça a une importance. Troisième offrande, c'est Pushpe. Pushpe, du sanskrit, qui veut dire les fleurs. Donc, le mudra, là aussi, la gestuelle varie suivant les écoles, suivant les maîtres, mais elle symbolise l'épanouissement, l'ouverture d'une fleur. Donc, suivant les écoles, ça s'est effectué de manière différente. Ensuite, le mantra Dupe, donc le mudra qui l'accompagne, ça veut dire c'est l'encens. Donc dans certaines traditions, vous avez l'encens qui est, si vous avez regardé la gestuelle, qui est plus comme s'il était, comme s'il dépassait des quatre doigts, en ce sens que les doigts de la main forme comme une boîte ronde dans laquelle on met l'encens traditionnellement, et le pouce symbolise l'encens qui est allumé, qui est posé horizontalement dans cette boîte ronde, et donc la fumée sort à travers la boîte, si vous avez déjà vu des boîtes à encens, et sinon dans la gestuelle, donc la fumée sort ou passe à travers les interstices entre les doigts.
mais dans notre cas, on ne représente pas comme ça. C'est l'index qui est vertical, et par contre, les trois autres doigts se joignent avec le pouce et représentent donc à ce moment-là la boîte à encens qui est posée à plat, qui est allongée. Donc ensuite vient le mantra Aloke, donc qui veut dire lumière. Donc ça symbolise la flamme de la lumière. Donc c'est variable là aussi. Parfois c'est le pouce qui est levé, qui indique donc qui représente la flamme, alors que les quatre autres doigts représentent traditionnellement la lampe à beurre qui contient le beurre, l'huile, qui va permettre à la flamme, enfin à la mèche de se consumer. Donc le pouce symbolise la mèche et les quatre autres bois représentent le contenant qui tient l'huile ou le beurre. Et le cinquième mudra, pour Gende veut dire les parfums. Donc la façon dont nous procédons, c'est comme si vous pouvez imaginer que les mains effectuent un massage sur avec de l'eau parfumée ou un parfum. C'était une époque, donc c'est une offrande qui est faite à l'égard du gourou, mais à l'égard, on pense que c'est destiné au Bouddha, Bouddha Dharma Sangha. À l'époque, on n'avait pas de spray, de parfum. Hein, donc c'est un massage symbolisé par le massage des mains. Puis bon, c'est ce qui se fait encore dans certaines traditions, hein, massage avec des huiles ou des parfums. Et donc dans certaines traditions, c'est un peu différent, mais pour nous, donc c'est comme si les deux mains étaient présentées parallèlement, verticalement, effectuaient un massage sur le corps. Peut-être qu'à l'avenir, on va changer ce geste et peut-être qu'on va à la place symboliser ce qu'on fait quand on appuie sur un petit spray pour se parfumer. Quoi. Mais bon. Ensuite, la sixième offrande, c'est Newide. C'est la nourriture dans notre tradition. C'est comme si les deux mains sont posées à plat, comme si en fait on tenait une assiette avec un mets à l'intérieur. Et donc c'est offert ainsi. Dans certaines traditions, c'est un peu différent parce que y a l'annulaire qui est vertical et les autres, la main et les autres doigts symbolisent en fait l'assiette ou le récipient, et l'annulaire vertical représente la nourriture qui figure dans cette assiette. Mais dans notre cas, c'est simplement les mains posées à plat qui symbolisent l'assiette, une assiette avec sa nourriture dedans. Puis ensuite vient la septième offrande, c'est Shabda. Shabda, c'est la musique, donc ça inclut toutes sortes de musiques, mais ici, la gestuelle qui est employée, c'est un peu comme le roulement de tambour, le battement de tambour. Quoi. Mais bon, dans d'autres traditions, d'autres maîtres font ce geste de manière variable. Donc parfois on a 5 ou parfois on a 7 offrandes. Donc voilà, ça c'était les mantras et les mudras de ces 7 offrandes. Also, there are more external offerings. Page number 14A. Vajra Vene Vajra Om Vajra Vene Hum is the offering that I don't know how to say in English. That's what do you say? You Vina. Can say it in French. Vina. And then the Om Vajra Vamshe Hum is the other one. That also the flute. I think it's in English. You can say flute. And then the Muranza is the small drum that often comes with the clay, and sometimes the lately now they made by the brass or copper or the metal, so metal with the skin on, so it's a small kind of a drum that I don't know, again you can say it in French. And then the mirtangi is the big, huge drum that we use for the dances, and
And then the hase is in Sanskrit, it is laughing. So it's a laughing girls, girls that who sort of like entertain people with a sort of like entertaining, laughing and kind of joking and all these things. So laughing goddess. And then the lase is the gegma. You should say it in French, I don't know, in English. And then the girti, the girti is the actually the singer, the goddesses who sings to entertain whole world. And then the niviti is the goddesses who provides the food. Niriti, not Niriti. The Niriti, Niriti is the how do you say, who holds the flowers, and then. Oh no, Pipe is who holds the flowers, and Dupe is the who holds the incense, and then Dipam who holds the Dipam means the light, and then Gandhi is the again same the who holds the this thing the perfume, and Rupa who holds the mirror. And Rase, who holds the container of the food, with food inside. And Sparshi is who holds the clothings, and nice sort of like clothings. And Dharmadhatu is the who represents the Shunyata. So that is the Dharmadhatu, why Dharmadhatu is the end, is the all the offering is actually, the beauty of the offering is the Shunyata. Shunyata is the really the thing that makes the whole offering into a vast and limitless as the sky. So that is the thing that you have to visualize. And then again, the mudra, this is, I'm talking about mudra. Mudra is a very important. Vini, you the we played the Vini with the mudra of exactly what how we played the Vini, and Vamshi, exactly what how you played the Vamshi, and also Muranze is exactly how you do it, like with one finger you have to. And like this, and Nirtange is you have to do it like this, you know, because it's it often comes like it's a side, maybe in the right or left, and the Muranza always comes, often comes in the front, and you just do it like this. So it's like you also mudra wise you have to do like that, and when Hase, you know, the Hase is the mudra of laughing, and then lase is a mudra of whatever that gek. I don't know how to say in English. So it's you have to do like this, you know, and you know this is the gek, and then the girti you have to do like this, and then girti is like this. Just to this is a. we read it like girti. I don't know girti, how do you say that, but it's actually git. Git in Sanskrit is git means singing song. So this is the I don't know why it's we do like this. Maybe this means the singing anyway. So I don't know what does it mean. It's really I don't understand. There's some of them are very like it's already in the tantra books, you know, it already taught like this, so that must have a very good reason. But we don't know why. But it's git always comes like that, and then nirti
always comes like that. Nirti hum. Nirti always comes like that. That is that represent the that represents the nirti. Yeah, this is some confusion here. Anyway, then the dupe dipam Gandhi rupa rupa is now the dipam dupe dipam are the same as before, and the Gandhi is also the same, and the rupa is comes in a like this, in the mirror, and then the something happening on the mirror, whatever it is there, so it is like a mirror. And then rasa is a container of the food or whatever, and the same thing is similar to argam, and then parshi holding clothings or the scarf or whatever the clothes you have to hold like this. Benza dharma dhatu is the mudra of dharma dhatu anyway. Four corners of the dharma dhatu. One is the tsema mepa, ngo tongpa ni, jebu memba mepa, or this sum, these three corners of the dharma dhatu. Ju tsema mepa, jebu memba mepa, ngo tongpa ni. Donc ça, c'était pour les offrandes extérieures habituelles, qui c'était parfois au nombre de 5 ou de 7 en l'occurrence. Et just after that, we have a break. It's a little hot. Et puis, patientez un tout petit peu, il y aura la pause parce qu'il commence à faire chaud. En page 14a, donc j'espère que vous avez tous bien vu et bien compris. Et, enfin, c'est la traducteur qui dit ça. Donc, il y a 16 offrandes ici. La première, Vini fait référence à Vina en sanskrit, qui est une, c'est le nom d'un instrument, c'est un petit peu comme un genre de violon-guitare. Wamshe, c'est la flûte. Muradze est un tambour, autrefois, c'est tambour en Inde, hein, c'est autrefois c'est des tambours qui étaient en argile, maintenant ils sont souvent en cuivre ou en éventuellement en bronze avec une peau, donc c'est des genres tambourins, tambourins, oui. Mirtangi, la quatrième, c'est pour les danses, mais il s'agit là aussi de tambour. Asse, le cinquième, fait référence, Asse veut dire rieur, ce sont des femmes qui font rire, ou des déesses qui rigolent et qui font rire les gens, etc. Lassé, la sixième, représente le charme. Ce sont des charmantes déesses. Ensuite, Geti, ce sont des chanteuses, donc des déesses, les déesses du chant, qui chantent pour tous les êtres, etc. Ensuite, Nirte, je ne sais pas trop ce que c'est, à vrai dire. Bupé, donc à nouveau comme les sept, comme les offrandes précédentes qu'on avait vues. Bupé, ce sont les fleurs. Dupé, les encens. Dipam, la lumière. Gende, les eaux parfumées ou les parfums, les huiles parfumées. Rupa, c'est la forme. Rasé, la nourriture. Saparché, les étoffes, les vêtements. Et Dharma Dhatu, donc
l'immensité des phénomènes, c'est-à-dire c'est ce qui fait référence à la vacuité. Et cette offrande vient en 16e, parce que c'est ce qui permet que c'est la beauté ou la qualité inhérente à Shunyata, la vacuité, qui rend toutes les offrandes infinies et aussi vastes que l'espace est vaste. En même temps, donc le point ici, je mentionnais l'importance d'accomplir la gestuelle qui accompagne cette récitation, et puis l'esprit, donc les mudras sont très importants. Donc si vous avez vu, ou il faut ensuite étudier avec une personne qui les connaît, ou un maître. Donc le geste ici, donc un peu comme souvent ça s'adresse pour des droitiers, hein. Donc quelqu'un qui a un archet dans la main droite et le violon ou ce genre de guitare, de vina, si vous voyez de quoi il est question, qui est dans la main gauche, donc il y a une gestuelle comme si l'archet passait sur les cordes de la vina. La flûte, la gestuelle, c'est un peu comme quand on joue de la flûte pour le second. Muradze, c'est l'index, en fait, c'est les index des deux mains, comme si quelqu'un tape sur un tambour, en fait, mais devant soi un peu, si vous voyez, comme à l'africaine, par exemple, on tape sur le tambour qui est devant soi, alors que Mirtangi, s'agit d'un tambour qui est plutôt un tambourin en longueur, donc on tape plutôt sur les extrémités à gauche et à droite. Le rire ou les sourires, donc c'est symbolisé par les deux mains qui sont parallèles, qui sont montrées. Ensuite, lacet pour les déesses du charme. À ce moment-là, il y a une gestuelle, les poignets viennent se placer vers les aines. À l'aine droite et l'aine gauche, et puis ensuite Giti, je ne sais pas pourquoi on prononce Girti, mais bon, c'est le mudra, ce sont les points, c'est comme si les points étaient légèrement fermés, donc il y a une gestuelle en même temps, et en même temps Girti, je crois c'est le chant, donc les déesses qui chantent. Et Nirti, donc ça s'était dit, là il y a une, je sais pas trop, c'est un peu, je me rappelle plus, c'est un peu confus à ce moment-là. Mais bon, tout ceci, il faut bien comprendre. Parfois, ça a l'air assez clair, le symbolisme se comprend facilement. Parfois, c'est peut-être moins évident, ou si on s'en souvient pas comme ça, c'est parce que ça a été aussi mentionné, c'est décrit dans des tantras, et il y a des raisons spécifiques à ce genre de gestuelle. Mais bon, peut-être que nous autres, en tant qu'êtres humains, on oublie ce qu'il en est question, ou on ne sait pas quoi. Mais bon, le mudra de Nirte, donc c'est les doigts sont pliés, puis légèrement ont tendance à être levés, quoi. Donc ensuite, les mudras sont les mêmes, donc pour pouper les fleurs, comme c'était auparavant, douper l'encens, la même chose. Le mudra de la lumière, dipam ou aloke, c'était comme on avait vu. Gende, les eaux parfumées, on en a parlé. Rupa symbolisant la forme, la main gauche qui est verticale et comme un miroir. Et la main droite, l'index et le pouce font comme se touchent. Et donc ça représente le reflet d'un objet dans le miroir. Racé, c'est pour les nourritures, donc les mains sont jointes un peu comme si ça représentait un bol, comme si ça contenait quelque chose. Saparché, les étoffes, les vêtements,
Donc c'est comme si les deux mains tenaient, mettons, une étoffe ou bien une kata entre le pouce et l'index, et que cette étoffe est présentée donc aux divinités, etc. Et Dharmadhatu, c'est un mudra qui s'appelle le mudra du tétraèdre. Donc si vous le connaissez pas, donc les pouces se joignent, les index se joignent, et puis également les petits doigts. Donc c'est comme s'il y avait quatre points ou trois points, peut-être en l'occurrence, et ces trois points, le Dharmadhatu, donc l'étendue des phénomènes, cela fait référence à la vacuité, et en même temps ça fait référence à ce qu'on appelle les trois portes de la libération, donc symbolisées par ces trois angles, si on peut dire, ou ces trois points, ou quatre points, ça dépend, Sainte a dit quatre points, et c'est-à-dire ces trois portes de la libération sont l'absence de caractéristiques, en essence vacuité, et en termes de résultat sans attente ou sans intention, voilà. Donc sans caractéristiques, vacuité et sans intention. Shergi zuma dodo zhujir damzi jenje tondo zhe gusende lame kudese Tsiye ngwe chwa nye karje bardo shabden sho lo rinche rige kandro ma kundo karme Randa rinche bago je kurdo kandro mbongi Mare mare tanda chokba Dada inso de khaye zuma dodo Jiri damze jenje dondro de gu zende lame gu ze zende tseye ngwe dhuwa nye karje pardu Shabden zhu nuban marigi kandro ma kudu marmi dandanda zhanda ban ma Pao je kordu kandro bungi gu gi gurdan jinla zilwa de nubgi darda inzu du nubgi zuma dondro zhe jiri damze Jangi donjo zo gosun lami guse jinanda si unjo Karje bardo shabden sho chanli gi jigi gandro ma kudo jangi dandanda jangja gan ma pao Je kordo gandro mungi gurgi gurdan jina sva de nungi darda insu do changi suma do do Chizam zi jangi donjo zo gusanda lami guse Donjo zi unjo gi gargi bardo Jabden shu vida rigi kandro ma kudo garsu dandan Chandra vida hapa oji kurdu kandro bungi Gurgi gurdan jela zulwa Vigi darda insu du Vigi zuma dodu zu jirdam zi jengi Dondro zu gudzenen lami guze Jinan zu zi unju Kargye pardu shabden sho Shinam parada pao gelwe jen Tusum zangi chumpe jen Mata kandro duwe shen Shindile lakwa shen yame Shindila gondi shuksu sul Chingirwa meba dorji Chipungir meba nurbi Chikya chalwa singi Chidile lakwa shen yame Chidila gondi shuksu Page number 14. Du texte de Chakrasanta.
Ani
Amen.
Akaram Mukham Sarva Dharma Namadhyana Vena
Understand the point where you receive the initiation of the Vajra, the Chakra Sambhava. From here onward, we are now receiving initiation. So you have to go through it and visualize that your guru is a Vajra Dara or maybe Chakra Sambhava, and then giving the blessings. And first you go and offer the mandala in order to receive. So that's you have to sort of like prepare yourself to sort of receive the blessings. So we are going through the ritual and you will get this thing. So this exactly page number 23, isn't it? You are not lost, are you? Donc maintenant, faut que vous sachiez, donc on est dans la phase de l'initiation, donc vous visualisez le maître, le guru en tant que Vajradhara ou bien Chakra Sambhara, afin de recevoir l'influence spirituelle. Donc au cours de la lecture, vous verrez, bon, il y a le passage sur l'offrande du mandala, donc et toute la préparation pour recevoir l'influence spirituelle et l'initiation au travers ce rituel. Et vous verrez au moment de la page 23, quoi. Think that you are going to wear on your eyes represents that you are ignorant right now, ignorant of mandala, ignorant of everything. So therefore, it just represents the ignorant. And then when you are recommended, when you are told to take it out, that actually means you are then taking out the ignorant. So that is what you have to understand. That's all this represents, the red strap. Donc, il vous a été remis des rubans rouges. Donc, quand vous, un moment dans le texte, donc vous allez l'avoir sur le front. Donc, ça symbolise en fait le voile de l'ignorance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à même de voir le mandala des déités. Et puis, au moment où il vous est indiqué d'enlever ce ruban, ce voile, à ce moment-là, vous pensez que vous voyez effectivement le mandala. La madan gilgur gi so tamme tebe jundu chimden de pal heru ka lenji gebe gilgur du juji wan shue yundu om benzar bumi a ji nambar takba wan shi sirgi saji om benzar reke a hong
chi chari koriyogi wiso hong ri gebo ri ra chara limba po lo zamburi no balanje chang dami nye sherdo lidan limba torre ngayar tang ayar shi chang do dami nye da dami nye ge da jimbo ji ri o Tazam ge shing dun jo ye pa man mo ba ye lo do Kul lo rinpo che nul bu rinpo che Zul mo rinpo che long bu rinpo che Long bu rinpo che Ta chok rinpo che ma kun rinpo che Ter chen bo ye bong ba Gek ba ma ten wa ma lo ma gar ma Me tok ma dupe ma nang sal ma
French. This one. En le maître personnification de tous les Bouddhas, je prends refuge. Aux yogis, à leur entourage de Dhaka et de Yagni, je prends hommage. Protecteur en la sublime cité de la grande libération, faites-moi entrer. Om Jani Kilkur La Kurwa Sum Che Par Mishin Mopo Dan Se Ma Gan La Mishin Par La Ma Dan Idam La Ma Se Chik Par Che Be La Ma Dan Kilkur Ge So Ni Su Me Be Tu Ga Ne Ishi Ge Wa Shir Nam Ba Pa Tu Me Pa Tu Chu Chi Shin Tam Che Tu Song San Ge Dan Om Mesu Bhavashu Dosa Vada Om Mesu Bhavashu Dosa Vada
shudu hang dadang ngubu chu tamje nidu jur tongbe ngangle rangi kechi chumdende par kullo dumba lenji kudu ngubu jaji chani ba jamye gyawe dizem mamman mongi garenan ba yunju za gumbe jije mambe tarwai nan ba shuyi durji da yunjir bu zimbe yumla gyuba chewa chungse zikjin jensum da denba nurbu da na zo durji da dawa shiba zumbi dalbi durzu jamigu gombo ngayi ugen da limba ngachi toshila chepa ribi chakya chugi genba tagi pape shamdava chan kargi yamgu da nimba o de pana yum durje nemjur ma gudo marmo chelji changi chensum ba kirbu cha chua yubba gombo ngayi ugen da tukama ngachi toshila chepa ribi chakya ngayi genji katang gata tebe sanbi chakya yunbi yamla kiba ye durje da chebe di zu kenge namga la jirwa shab ye ba yamla chuji yu yab dang len ji du niga ye shi ki mi bar ye una juba sarwar chur lama dang kil gur ge so tammi da bi bunga shikba shikma ke chit semba semma lewa jiwa da jiba chua chame ra shi de de sum ge la ye kur lo zo be ngu Wang Guru Arai Jurai Omoi Shiri Yeroka Abhi Kenza Ami Benzara Nama Abhi Kekai Tama Benzara Omoi Dharma Engendi Omai Omai Dhamma Shiyaya Jidharai Dhamma Zangyini Panamanjini Jusula Dhamma Vayi Chuni Dhavayi Dijindagi Kujusula Omme sarva tatha ingata adike gade samaya jiri eo vangur chiche lugi timada chulama gindu kilwa lama migi bezugi chi ur jubar chur rangi zuk number nangze sorwa rinjin dushi nangta duje dunju namshi mijuba jungwa sa sangye chu mama ki me ko karmo lung damsi dulma namka chiye wangju me rangshin apa o oil semba semma chinu shile gane nangju hada lame rangshin dushi barai jang Dorje rame dorje nyeche da Jile bojen bojong Tere dorje lobe nyur loma du Wanyi doji Sangwa shue yendu Sashi peche chushin me to Jirap nishi ngida genpadi Sangye shindu mide mbiwa Jogun namda shindu kiwara shu guru ratna mandala kanire adaya hame jomde shivai chemo oye dorje Chidarai Jinnin
Jom den jiwa jimbo ge dorje nam juru ji ji ba mi je cha gya du ba bo dorje nam juru ni ju we chi tarai je ne da ni je ma da da la de zar zu khur wa dam ji so na du jiwa ge me da la yo jom den jiwa jimbo ge dorje nam juru ji ji Mije tagya duba bo dorje nam jurli juwa Chitara chini dangi je mata dala dil darzu Khurwa dangi zona do jiwa gyum dala gyo Lama tangil gurgi so yab yum nime du salwa ilunga isum gube gune Khurwa sum jeshin sim tingi zila nyam barja Chati zan benzara ho Lama tangil gurgi so Nizu mebe kui jiwo namda dimba obame Nyinga mi gyuba tewa ringyum sangne Tanyo jube danyi do rangi kejige Dechokki kursarwa de Melongi zunyan tabu dane de Chitara de Gelwa seje namdar khorna shin khorji de gu mazam me de ba chi tamje ge bara ge be nam ke kham khap si be thane ne che ge gelbo che be ne gur chi guru ratna manda khanire ya da ya mi chom den shiwa chem bo ge dorje nam jur chi je ba mi che cha ga du ba po dorje nam jur le ju Chitar kyni dangi che ngata dala dil darzu Khurwa damgi sonandu chingwa kyme dala Chumden shiwa chenpo je dorje naljur chijiba Michet chagya dhuba po dorje naljur lejungwa Chitar kyni dangi che ngata dala dil darzu Khurwa damgi sonandu chingwa kyme dala kyabu chumden shiwa chenpo ge dorje naljur chijiba miche chagya dhuba po dorje naljur lejungwa chitar kyni dangi che ngada dala tetar korwa damgi sonandu chingwa kyme dala gyo kilkor ki tengdu dorje naljur ma ke chigi sarwala korwa sumche shi itse chibe mudung trak sulwa tabbe nanjur me kusum thule ozir karmar muwa patu me ba choba dagi lunga isum la temba gyo danta warai awe Tati
La mo ga jin ne jin ma na zo zu cha yi ong ma kher ji ge ji sin ba chi kher la je ba ta de gi ji ran yi de cho ya kyang du sal wa cha gya ben za wa ra hi de ba ra mu de nyam ba ra shu be de wa ge ther ne tho ma u da me si me nyang en de ba me dini shodu dejin bo dame jeyan me bangi legya temba dan sami ge dewa gumbe nurundu jeba o wanshi bashu ye yondu kusumu yonzo lame chonam la chino dalu longju nangsi yongje la lami choge mutu tutu guru rinna mandala kani yadayami chumde shiwa chenpo ke durje nanjur chije ba mije chagya duba po durje nanjur lejo chitra chini dangi je mata dala te taradu korwa damgi sonandu chingwa jame dala chumde shiwa chenpo ke durje nanjur chije ba mije chagya duba po durje nanjur lejo chidara kini dangi je mata dala korwa damgi sonandu chingwa jame dala chumde shiwa chenpo ke durje nanjur chije ba mije chagya duba po durje nanjur lejo wa chitara kini dangi je mata dala dizarazo korwa damgi sonandu chingwa jame dala kyo rangi chegi kilgurdu shubade chingi karkyap namge kyap namge karkyap singi kyapad ye rangshin do nyambarja. Rest on its own nature, our own mind, which appears in a different mode and different subject, you know, and also object. All of them, all are just needs to be remain on as it is, with non-fabrication. Demeurez en votre propre nature, nature même de notre esprit. Toutes les apparences manifestent sous toutes formes, toutes sortes de modes, en termes de sujets et d'objets. Mais laissez tout ce qui apparaît, laissez toutes choses telles qu'elles sont, naturellement, sans rien manipuler, sans rien fabriquer. Tamje dembaya mayin zimbaya mayin ba chudan lapta shebar cha chagya chenpo gom nirundu cheba shenje zemle chir jurbe semje me zangeme
Tewe chenam tamche korangi semzu toborgim. Tengi ehang rajindu tobe dunang juborgim. Tamze tamche denbarani bukyo gini sujishun. Dila zile ja jia me ja par ja wa shin za me Yangda ni la yangda ta yangda tona nam par tu Lama dan gil gurgi zo tami dat be jon du Chum den de pal heru ka lenji ge be onji onzu Tobe tangra ge yun du Offer mandala for showing the appreciation and thanks. Maintenant, l'offrande du mandala en guise de remerciement et de gratitude. Om benzare bumi aho ji nambara tamba wanjin se gisa ji Om benzare rike aho ji jari kuyugi kurve Wiso hong ji gebo rirap Shara limpa po lo zambule No balang ji chang jamingi Shirdu ludang luba Por ngayev dang ngayev shin Nubdu yoldan dang lam chokro Chandu jamingi Kundin so gi jo ya sun gi de ba la ma ji
Korage belamani lele gozebe regandololo Sote cence da ururu togebe kata lingini Hepulo togi palashi Jitamze nam lachi lavju Chote mangwe jui nami kya Yage danyam barchi ngilo Gilgorage pe mingi mogo Rime bagel vesi jugo Vajage silmarachi danji Yishindo juhala vila Koraye dala zonyi lele Kunze beri gandololo Sonde jenchi da ururu Tugibi kata lingingi Nepolo sugi palashi Chitamze nam laoshi laoshu Chodil mawe junam ikyala Chidanyam barshi ngilo Naye shingi madawizu Bache gimun bahadar jiji Yekyo gina wakundun bahayu Ondur jizun moji ngidi Kola paodra gini lele Kunze beri gyanju lolo Sote jinshu da ururu Tugibi karta lingini Nepulo sogi pulashi Chitamze nam laoshi laoshu Chodil mawe junam ikyama Kedanyam barchi ngilo Kondi shiyur ngula jitu Bagel waga zunyi jitu Hamize chiba pawiti Gohun maha karyashem dhala Khurai te bela singi lili Gunze beri gyanju lolo Suwande jinshu da ururu Tugibi karta lingini Nepulo sugi pulashi Chitamze nam laoshi laoshu Chote mamu dhuvu nami kya Gunche danyam barati ngi Jesi je pemba tamje du chuda jin gomba me sharawe Padam bang gombo la me shay ka gigi jesu ya zola Me da ge le ge long je gung a zang wa chimbe tam zi zi Chi je jam ye zi nam ge zun de ye ngi Om Shri Ha Ha Om Om Pe
Om benzerim bero tane ye om ganna chakra punja Yudulgi, Dugar, Lasher, Kilgurgi, Kurlu, Gunzeba, Yidamgi, Lazo, Yasola, Midagi, Lugi, Longchukun, Naksawa, Chimbe, Damsi, Chichejang, Mise, Namke, Duyengi, Parte, Bu, Songyigi, Lanzo, Rakan, Dimyigi, Jinla, Namjua, Kundu, Gandu. Dans les nouveaux textes sur le Tsok version abrégée. Page 58 for the concise Gana Chakra in the new text. Page 58. I have a green one. Old one.
New print. Oh. Thank you.
The now the Gana Chakra offering, that will be done. The publicly we have the Gana Chakra offering for the public will be done after 3 o'clock, 3:30 maybe. After 3:30 we will do, and but right now it's only to the Guru. Maybe they'll offer the Gana Chakra for me. So selfishly. So then after that, then I mean during this we will be doing the publicly we will do the Mahagana Chakra, the composed the Gana Chakra song. Maybe you have something there. Donc maintenant vient la partie de l'offrande du tsok. Donc pour des questions d'horaire, il n'y aura que l'offrande au maître qui va être effectuée. Égoïstement, ça va bien. Et pour l'offrande pour tous les participants aura lieu après le repas. Peut-être ce sera peut-être vers 15h30 ou un peu plus tard. Donc il y a le chant également composé, le chant de Gana Chakra composé par Sa Sainteté qui va être aussi entonné. Lama yeah.
Thank you.